Hortense s'apprête-t-elle à prendre un virage à 180 degrés dans Ici tout commence? Catherine David-Zeka, l'interprète de la protagoniste farfelue dans le feuilleton de TF1, vient de dévoiler sur Instagram une série de photos d'elle sur lesquelles elle apparaît métamorphosée. Bye bye la coupe longue et blonde et son air angélique, la comédienne casse son image et s'affiche avec un look aux antipodes de ce à quoi elle nous a habitués. Dans ses clichés publiés sur son compte Instagram, l'actrice Catherine David-Zeka d'Ici tout commence se présente avec une coupe de cheveux courte, avec une frange et couleur noire corbeau. Au nez, la jeune femme de 24 ans porte même un piercing entre ses deux narines. Pour terminer, la complice de Nicolas Anselmo, Elliot, et Rebecca Benamour, Célia, dans ITC est vêtue d'une tenue résolument aux allures rock'n'roll. Une évolution choquante qui a fait se questionner ses fans, auxquels elle a pris le temps de répondre dans sa story. Catherine David-Zeka explique à ses fans son changement de look radical sur Instagram. Pas de panique pour les admirateurs d'Hortense dans Ici tout commence, celle-ci ne va pas devenir une métalleuse rebelle. En fait, Catherine David-Zeka a révélé dans sa story sur Instagram avoir tout simplement participé à un photoshoot durant lequel elle s'est travestie, en personnage quasiment punk donc, avec une perruque et un faux piercing. Et bien que le résultat soit déroutant, force est d'admettre que tout va à celle qui donne régulièrement la réplique à Marvin Pellegrino, Mehdi, dans ITC, avec qui elle forme l'un des couples phares de la série à l'écran.